What's up tout le monde, bienvenue encore sur Janel là, nous connaissons déjà, non pas monsieur Bright. Et ma profite de tout le monde, bonne année, j'espère que nous t'es passé un très bon mois décembre. Et j'espère que l'année 2023, il a porté plus succès pour nous, plus fruits, plus tout projet que nous t'avons réalisé, que nous réalisé, que nous avons fait progrès dans la vie nous. Et tout trader nous connaît qui a suivi moi. Tout trader me connaît qui a avancé dans journey hein. Continue à avancer par bail vague et me pense que si nous appliquer ça que nous apprendre si nous appliquer nous rester consistant n'a pas jeune résultat que n'a cherché là. So avant que me commencer vidéo aujourd'hui là n'a commencer avec une nouvelle habitude. OK, et avant chaque vidéo n'a profiter pour nous montrer qui gens que nous grateful avec ça que nous gagne dans la vie nous déjà. OK, son exercice que moi fait depuis 2 ans avec John Fibonacci, même pas je me fais sur channel là pour qui ça pas grand raison juste pas fait but me pense que m'a si que modèle moi c'est John Fibonacci, donc me pense que l'important c'est que m'a essayé transmettre valeur ça au principe ça au que li ban moi que li apprendre nous. Et que je pense que vous faites partie de l'enseignement lié et ça a lié de nous avancer tout. Et ou même tout est toujours bon, les que vous connaissez envers la vie, vous connaissez envers tout ça que vous gagnez. Qui dans l'environnement, que ce soit mon ou vivre ensemble avec vous, que ce soit mon qui vous côtoyer, que ce soit moi-même, n'importe mon. Donc, il est vraiment bon pour nous reconnaissant envers la vie. Donc, ça n'a fait, c'est que chaque jour, on a écrit 5 gratitudes. Ok, on a écrit 5 phrases de gratitude avant que nous commencions chaque vidéo. Côté que nous allons parler de un concept. Ok, c'est pas toute vidéo m'a obligé de faire. Donc, une vidéo setup of the week, c'est m'a toujours fait. M'a pas fait. Donc, une vidéo mind over money, m'a pas fait. Mais c'est m'a présenté nous un setup. Capable si m'a présenté nous un concept on capable faire non peut-être mon be breakdown tout nous qui doit faire. OK, so on commence avec cette phrase de gratitude. OK, OK, ça c'est un truc qui est important. Nous toujours comme si à garder problème la vie mais nous pas jamais prendre temps nous que pour nous dire nous OK moins aimer la vie. OK, oui il y a tout problème qui gagne, il y a tout ça que nous connaissons déjà, mais faut nous accepter, faut nous dire que oui nous aimer la vie. Sans la vie nous pas compte trading, si nous pas en vie gon paquet bagaille nous pas faire gon paquet bagaille nous connaît tout, c'est parce que nous aimer la vie que fait nous connaître. OK, et parce que là vraiment important pour nous connaître qui qualité qualité goût, en fait qualité goût c'est bagage ça que n'a dit ça nous la vie. Donc il est important pour nous dire que nous remet. OK, moi m'a utilisé mot grateful. OK, so je souvent dit que moun c'est pas seulement moun entrepreneur, en pile entrepreneur fait ça ou les anxiety ou du moins se fait dépression. Et le plus souvent c'est parce que yon pas apprendre satisfait ou du moins se remet ça ou gagné déjà. OK, ou gen doit peut-être gen poukou gen Lamborghini, ou gen doit peut-être poukou gen machine, ou gen doit peut-être poukou gen hélicoptère à vivre ou vivre là, même vle pour grateful pour ça gagné. OK, ce n'est pas de ça qui est dans la vie, qu'on y a grateful parce qu'on gagne, parce que gagne un monde dans la vie qui peut-être pas gagne ça du tout, qui t'a souhaité gagne ou du moins s'il te gagne qui t'a peut-être plus bon perso. OK, donc même si que chaque jour n'a essayé chercher la vie que nous besoin, n'a essayé avancer, mais il est important pour nous grateful, pour nous reconnaître envers ça que nous gagne déjà. Troisième bagage n'a mettez, c'est que moins app yon trader discipliné. OK, ça c'est plus gros barrière nous guys, nous apprenons concept yo
nous apprenons tout ça pour nous apprendre, mais nous refuser accompagner avec discipline. OK, donc n'a commencé dit nous depuis Kounia que OK moins appuyer trader discipliné. OK, dites tout ça, dites tout que moins appuyer trader discipliné. Et l'offre dit ça, on va mettre tout ça qui gain rapport avec discipline dans trading, que ce soit respecter plan, que ce soit tout ça qui gain rapport avec discipline dans trading, on va travailler Kounia pour capable faire pour capable mettre ensemble pour chercher discipline que ou chercher. OK, so m'a respecté m'a respecté pour ceci ça. OK, so ça me pense que vraiment important pour nous noter respecter processus là. OK, trading c'est un processus côté que ou pas qu'à skip pièce partie, ou pas qu'à arriver dans partie 2 ou dire skip li ou aller dans partie 4 là. OK, et à chaque fois on monte ici il fait ça dans trading, il finit pauvre, il finit perdu tout ça que il gain sous bank account, il finit en dépression, il finit dans mauvaise impasse. OK, pour qui ça? Parce que il pas respecter processus là. Ou supposé respecter processus là. Si qu'on pas qu'à respecter processus là passe pas respecter et ou pas jamais avancer non plus. OK? Et cinquième bagaille que nous gien doit dire. En fait, moi gien plusieurs là à bon côté là. Et pour dernier, OK. Moi quoi m'a fait succès. OK. On choisit ça pour je dire. OK. Moi quoi m'a fait succès. OK. C'est pas juste chaque jour lever ou dire OK, m'a fait succès etc. Non, faut qu'on croie. Et m'espère que nous prêter attention à mot croire. Qui les croire dans bagaille. OK. Les croire dans bagaille c'est même si vous et Marie bagaille noir ou pas rien, bah mon rester croire ou gain confiance que on fait succès. Donc ça vraiment important. Pour yon moun kwe que la fait succès pour le faire succès. Sou pa jam kwe ou fait succès ou pa jam fait succès. Sou gen doute ou pa jam fait succès. Ou gen doit peur, OK? Ou gen doit peur quelques obstacles. Ça arrive pour peur. Et Kobe Bryant, rest in peace, Kobe Bryant qui c'est un basketteur que me t'ai aimé en pile, il dit que ou gen doit peur, c'est douter pour pas douter. Pour qui ça? Parce que parfois vous dans une situation ou peu situation dit que bon qui j'aime pas le ça. Bon qui j'aime pas passer situation ça, obstacle ça, mais on finit pas passer quand même juste parce que ou t'es croit que ou a réussi ou t'es croit que ou a passé quoi côté peu. Mais si qu'on gagne doute sur succès, on garantit que ou pas jamais qu'a fait succès parce que ou doutez déjà de succès. OK? Et c'est croyance ça qui va le faire qu'on avance, côté que tout le monde va le bon vague. C'est croyance ça qui va le faire que on continue frapper dans le trading même si tout le monde qui dans environnement ta bye vague. OK, donc je dis guys, n'a pas gagné 5 ça. OK, moi j'aime la vie, moi grateful pour tout ça, moi gagne, moi a plus un trader discipliné, m'a respecté pour ces 6 là et puis moi croire m'a fait succès. So j'espère que vous avez fait screenshot. Dans la vidéo aujourd'hui, guys, moi pral parler de stratégie. OK, papa est de stratégie et parce que vidéo ça la longue en pile. OK, première vidéo pour année, la longue en pile, mais c'est tout à fait normal. Et nous va parler de stratégie qui j'ai que moi-même moi trade. OK, qui j'ai que moi-même trade. Donc là mon game market moi qui déjà tracé, malheureusement pas de mon breakdown. OK. So, on va parler de stratégie. OK. J'aime dire nous déjà toute position que m'apprend, les commencer par un grain bagaille qui c'est prise de liquidité. OK. Et m'a fait vidéo ça pour qui ça? C'est parce que il y a un pile monde qui apprend concept yo mais on pas connait qui gens pour utiliser, qui ça pour faire avant, qui ça pour dire avant, qui ça pour mettre avant. Ça veut dire que yo pas créer propre vision yo parce que c'est toi pas prendre concept yo, pas prendre concept dans mon paquet monde, dans paquet éducateur, que ce soit sur page Le Bright, sur page X ou page Y, qu'on y a ou même c'est qui gens que on va prendre tout ça que on apprendre yo pour mettre ensemble. OK, donc Razo Dazo que qui c'est non que moi bail stratégie là, que moi bail concept, moi façon que me trade là, il commencer par une prise de liquidité. Et là m'a parlé de prise de liquidité guys, qui ça me dit par là,
m vle di si le market lan rive nan yon zon li pren likidite d'abord ki le yon market pren likidite OK m pense ke m dessine la pou nou plusieurs fois OK première façon yon market montre ke l pren likidite c'est le ke ou gen jan de bougi sa yo OK c'est le ke ou gen jan de bougi sa yo OK c'est là qu'on gagne genre de bougie ça OK bon mettre le noir OK moi mettre le noir c'est là qu'on gagne genre de bougie ça donc à ce moment on doit dire que market là il prend liquidité vers le haut là OK il prend liquidité vers le haut donc toute bagaille toute trade que m'a fait il gagne une prise de liquidité depuis pas une prise de liquidité pour qu'on gagne trade et me dit nous ça les que moi les que comme si me lever le matin m'a prendre pour prendre position moi tracer market moi mettre signal moi tout temps que pas gain youn nan pair moi trade qui prend liquidité m'poko comme si ka parler de prendre position pour journée tout temps que pas gain prise de liquidité ça c'est première façon deuxième façon qui j'ai encore fait encore c'est qu'on doit gagner un engulfing OK ou gen doit gagner un engulfing côté que gen un ladder qui al prend liquidité et puis gen un qui parle gen un bon qui tout accompagner il pense que m'expliquer tout ça déjà dans vidéo en mitigation etc tout bail ça OK donc là ou gen yo market qui dal prend liquidité là OK et puis là vinn gen engulfing ba mettre couleur nous gen ta comprendre OK et puis kounya là ou dit OK market là li prend liquidité troisième façon encore c'est que market là il doit créer ça really fractal high donc comme là m'a par exemple vente OK bon mettez ça là OK et puis là nous gien doit gagner ça really un fractal high OK nous gien fractal high donc là encore c'est une autre façon que market là li prend liquidité OK OK donc là nous gagnons liquidité nous devons dire que OK nous gagnons liquidité en fait nous gagnons prise de liquidité right kounya là nous gagnons prise de liquidité hein, avec fractal high donc la mettez trois bouger seulement mais nous connais fractal high le connais 3 connais 5 je connais 6 OK les qu'on gagne genre de mouvement ça qui fait qui censé fait dans zone de liquidité en là OK OK là OK là on te gagne zone de liquidité OK kounya là si n'a pas de prise de liquidité c'est qui ça n'a considéré comme liquidité yo les m'a parlé de prise de liquidité kounya c'est qui ça qui zone de liquidité yo? Zone de liquidité yo guys nous connaissons déjà moins divisé en deux parties moins divisé en deux catégories côté que moins relé une partie institutional liquidity OK institutional liquidity qui ça n'a pas gagné previous daily high previous daily low OK, nous va gagner previous monthly high, previous monthly low. Previous weekly high, previous weekly low. Nous va gagner previous monthly high, previous monthly low. Ça veut dire que mois avant avec en fait high mois avant avec low mois avant. OK? But moi personnellement par toutes les que moi checker, OK? Donc moi fait commencer là, c'est sûr que m'a checker. OK. Kounya la zone qui sont des zones retail liquidity. Pourquoi ça m'appelle retail liquidity parce que c'est là en pile moun obtain market là pour faire buy stop, sell stop ou bien ou du moins c'est là que yo mettez ou bien c'est là que yo mettez stop loss. OK. Donc retail liquidity moi gwe yo comme low avec high session. OK. Liquidity. OK, retail liquidity low avec high session. Que ce soit Asian, que ce soit London, que ce soit
New York, peu importe session, Ali, je partage tout ça déjà sur Chanel. C'est juste un recap qui a fait là. Vous comprenez? Vous comprenez après les vidéos, ça recap Razzle Dazzle, right? So, donc, nous avons un retail liquidity low avec high session. Ok, je vais écrire high là. Low avec high session. Après, nous avons même barayo, eco high avec eco low. Ok, nous avons juste écrit eco. And, toujours même imbalance, sauf que là imbalance dans lower time frame du quoi l'important, mais le plus souvent pour sincère ensemble avec nous, le plus souvent c'est toi ça on plus à checker. OK, imbalance m'a pour qui j'ai marqué pour réagir et même dans imbalance yo kounya m'a prétendre une prise de liquidité encore. OK, parce que les marketeurs qui viennent imbalance ça sont prise de liquidité qui pour faire me connait que market là li ready to go. OK, donc kounya premier partie dans Razzle Dazzle c'est prise de liquidité dans zone ça. Tant que pas une prise de liquidité, tant que ligne ça me passe là, yon previous daily high, yon previous weekly high, yon Asian high, yon New York high, yon London high pour qu'on gagne setup. OK? Kounya après prise de liquidité, qui ça que moi gagne en jeu, moi gagne divergence. OK? Divergence que moi parler de li en pile sur channel là, mais pas façon que yon moun ki nan équipe moi comprendre divergence en fait c'est pas même genre avec nous même qui sur channel YouTube là pas prendre ça mal pour qui ça parce que moi gen en fait moun ki nan équipe moi yo moi fait call ensemble avec yo pour m'expliquer yo divergence nous back tester ensemble donc y a bien plus lumière sur divergence là que nous même qui juste regarder vidéo sur channel YouTube. OK, et honnêtement si que m'a fait même travail que moun ka paye a faire donc pas vraiment comme si il y a une différence là et fait sur YouTube la pas dit en pile temps. OK, parce que mon yo c'est des séries de monde qui que moi gien vidéo qui préparé pour yo et moi gien session moi faire ensemble avec yo et yo gien le comme si pour yo prend call privé one on one pour nous expliquer des séries de bagarre donc on pas faire ça ensemble avec nous toutes 596 subscribers donc nous comprenons. Donc deuxième partie là c'est divergence. On y a divergence là guys. Il y a deux types de divergence. OK, il y a deux types de divergence. OK, il y a divergence de structure. OK, il y a divergence de structure et puis il y a divergence de liquidité. Qui ça veut dire par là? Ça veut dire que pour faire obtenir divergence là, c'est le market là juste al créer un high, l'autre l'a pas fait, al créer un low, l'autre l'a pas fait. OK, donc tout simplement comme ça. OK, donc là nous juste focaliser nous sur divergence structure là. Mais divergence structure là qu'on fait et que tous les deux périodes yo te prend liquidité là. OK, prise de liquidité en t'est faite là. OK, on dit que OK là nous te gain liquidité à qui prend et que on dit que là tout nous te gain liquidité à qui prend, donc liquidité à fin prend et puis qu'on y a yo fait divergence là. Donc là nous gain divergence de structure parce que tous les deux à prendre liquidité hein. Kounya a gain divergence de liquidité tout. C'est le kounya gain youn kal prend liquidity hein. On dit que previous daily high journée ça était là et que previous daily high journée ça lui-même il était là et que là par exemple, OK, market là fait ça. OK, vous mettez ça plus haut. OK, là par exemple ou gen pèsa qui parle prend previous daily high là par exemple ou du moins on n'importe en high en session ou du moins whatever notre type de liquidité yo. And then ou gen l'autre pèsa là qui parle prend ou gen pèsa qui al prend, donc là ou vinn gen divergence de structure. Qui différence gen c'est que ou vinn gen divergence de liquidité. Divergence de structure là li important pour prendre exactement même low avec même high. Ou prend même high avec même high, mais divergence de liquidité hein, tous les deux périodes gien doit pas créer high daily au même côté ou du moins high session au même côté. Donc là il s'agit de divergence de liquidité. Donc divergence de structure là, tous les deux gien doit prendre liquidité hein,
et puis me vinn joine divergence en après mais divergence de liquidité ça que moi plus remé hein, c'est divergence de liquidité en plus remé c'est là que you n'al prend une liquidité une zone liquidité que ce soit institutional liquidity ou bien retail liquidity et puis l'autre là va le faire donc là automatiquement me dit que me divergence mais qu'il y a qui ça qui confirme divergence là guys OK parce que ça important parce que en pile fois nous pas arrêter tant divergence là nous pas arrêter tant divergence là ça qui peut confirmer divergence là c'est fractal high OK donc micro fractal les cas fractal high les cas fractal low si c'est pour achat ou bien si c'est pour vente OK fractal high c'est mouvement ça que n'a regardé là OK prise de liquidité a doit fin fait avec mèche ça mais par la suite pour market la fait correction il créer ça relé fractal low ou bien fractal high pour qui ça c'est ça qui a montré que market là gagne volonté pour changer direction OK c'est ça qui a montré que market là il gagne volonté pour changer direction je pense que exemple ça m'était mal prendre bon faire le plus clair OK bon faire le plus clair OK donc OK là nous avons deux zones de liquidité on dit previous daily high previous daily high and tous les deux PSA et puis PSA là le prendre là et puis lui même il pas le prendre là OK donc kounya là qui ça pas confirmer que divergence là prêt pour me trade kounya c'est que dans espace ça là que nous pas gagner là dans espace ça là que nous pas gagner là dans pair qui plus faible là qui c'est pair ça libéral important pour joindre fractal high faut que j'ai une fractal high là OK parce que c'est fractal high là veut dire qui ça si on 15 minutes fractal high là veut dire qui ça peut-être en 5 minutes il doit avoir un short qui fait OK d'ailleurs c'est pas pour sans raison que me dit nous là que nous joindre divergence dans le time frame n'a descend dans lower time frame pour n'a ouais qui gens qu'une cap en position pour chuter avec mouvement ça OK parce que pas oublier que divergence sont manipulation et manipulation il pas prêté depuis divergence là fin fait for market là pour aller côté le pour aller market là pas prêté après divergence là pour donc il est important le fin jeune divergence là OK ou commencer garder ouais divergence là confirmer moi même personnellement moi j'étais dans divergence dans 5 minutes seulement m'étais qu'on suivre dans 15 minutes longtemps but 5 minutes seulement moi suivre divergence moi suivre divergence là une heure de temps c'est pour stock market but pour forex moi seulement suivre lui dans 5 minutes OK donc dans 5 minutes là moi j'étais dans fractal high en créé et puis automatiquement fractal high en créé qui ça me pral joindre en dedans fractal high en kounya moi pral joindre trinity OK moi pral joindre trinity et trinity en qui ça lié trinity en c'est IPA and balance price action c'est mitigation candle and c'est institutional candle que moi expliqué tout déjà sur channel OK donc c'est quatre ça que nous gain besoin pour nous commencer un rise d'azo prise de liquidité divergence fractal and trinity et puis qu'on y a automatiquement que nous venons gain trinity hein qui ça va passer nous pour commencer parler de intuit techniques OK que nous parler de déjà sur channel qu'on y a c'est qui gens qu'on parle entrer ou gain tout ingrédient yo ou gain tout bagaille yo qu'on y a c'est qui ça qui gens qu'on parle entrer intuit techniques OK qu'on y a après intuit technique là façon que rentrer dit pas important qu'on y a pour qu'on ait sell placement OK avec target placement et que moins fait vidéo sur ça déjà sell placement moi expliquer déjà target placement côté que moi mettre tick profit moi toujours expliquer nous déjà c'est pas rien qui difficile c'est juste moi mettre dans l'autre zone liquidité encore sauf que moi-même moi gain principe de risk management moi avec trade management moi côté que 1 pour 2 1 pour 3 il est très difficile pour me toujours non trade gens que m'étais entré là la impossible pour me pas retenir mon petit bagage mettre en côté et puis me quitter reste là rouler OK donc ça c'est ça qui composé yon razzle dazzle OK c'est ça qui composé façon que moi trade et m'espérer que ça va bien OK donc moi ça c'est faire un recap de razzle dazzle que me fait plusieurs vidéos déjà sur channel là et que moi expliquer déjà sur channel là et que en pile monde commencer utiliser déjà dans communauté et commencer vraiment à faire progrès ensemble avec et ça fait plaisir
ça fait plaisir, vous comprenez? Ça fait plaisir que moi j'ai quelques jeunes qui peut-être pas gain même quand qui pas gain assez moyen pour ta payer un mentorship dans l'équipe moi, mais quand même qui regarde des vidéos sur YouTube yo, et puis qui a fait progrès, OK? Pas une pièce problème ensemble avec ça, moi connais que automatiquement que un monde gain capacité pour payer mentorship là, la payer parce que pour qui ça parce que mentorship là c'est on l'autre high level, OK? En gros, c'est censé ça, qui constitue toute Razzle Dazzle, c'est ça que je dis, plus de liquidité, Divergence, Fractals, Trinity, Entry Techniques, SL Placement, Target Placement, et puis qu'on a nous va appliquer Risk avec Trade Management. So guys, je pense que la vidéo ça a été vraiment long et vraiment fait un grand recap sur tout ça que nous apprenons dans 3-4 derniers mois et année 2022. Et m'espère que bon m'a porter plus pour nous dans les vidéos. So, bah nous rendez-vous dans notre vidéo. Bye bye, à la prochaine.